Bonjour les petits gens, moi c'est Neko. Et moi c'est Schnick. Je fais un petit silence mystérieux pour les Schnickos. Aujourd'hui on se retrouve sur Bokita. Jeu... What the fuck? What the fuck? Demain ça sera une partie de Garry's Mod et de vendredi un jeu de survie. Oui, maintenant qu'on va faire tous les jeux de Garry's Mod et le vendredi pour l'instant, de la survie. Pas forcément de la survie classique, hein. Ça pourra être de la survie horreur aussi. Horreur. Ben si tu vois, c'est moins, le programme est moins chouette. Si, c'est très chouette. Non. Ah si. Non, franchement, ça me tente moins du coup. Mais oui, c'est vrai, ça s'use encore au bout de moi. J'espère que tout le monde va bien, et si ça ne va pas, vous savez quoi? Bon courage et bon rétablissement. Alors le concept de Bokita est assez dur à expliquer, donc je préfère vous montrer tout simplement en direct. J'aurais compris non plus. Avec le petit tutoriel. Je suis trop bien pour comprendre. Je suis trop bien pour montrer quelque chose, pour comprendre quelque chose. Voilà, regardez autour, voilà, c'est fait. Oh, c'est bizarre. On dirait qu'on a dessiné un croquis à l'aquarelle ou je sais pas. Et là, on va devoir mettre des bons petits cubes, dit. Hop. C'est sûr que par rapport au décor, il flash. On peut construire déjà, comme on peut constater dans les différentes directions. Mais je vous ferai montrer en détail les différents outils une fois le tutoriel passé. Oh, je vais faire tout ce qu'il vous fait montrer. Ok. On doit monter au-dessus alors, non? Non, attends. Et le troisième. Et le coup la cave. Et le 4. Voilà, c'est bon, le tutoriel étant passé, je vais vous expliquer plus en détail. Petit souci avec Fraps, on a le premier outil qui est construire. On a une grille qui s'affiche nous indiquant où l'on va construire. Donc on peut placer un bloc, voilà, on a placé notre bloc. Et ensuite avec ce bloc là, on peut faire ce qu'on veut. On va faire un magnifique bloc. Oui, bon. Ça sera un cactus, hein. Ça sera un magnifique cactus en forme de cactus. Il est magnifique, tout petit cactus en forme de rocher, il faut dire. Voilà. Alors, on a le deuxième outil qui est couper. On peut tourner la lame avec la molette de la souris et couper. On peut envoyer une lame. Pardonnez-moi. Il a un loup, il est allergique. Donc on peut rester appuyé sur la touche pour faire une lame plus grande. Hop. Il a beaucoup d'allergie, le petit Schnick. Et voilà. Un Schnick allergique. Le troisième outil est pousser, qui permet tout simplement de pousser. Aussi. Plus on reste appuyé, plus on souffle fort. Aussi. Et le quatrième est tout simplement pour effacer. Plus on reste appuyé, plus il effacera de grandes parties. Dis mon petit gars, tu sais quand t'as dit pousser, ce qui m'est venu en tête. Quoi? Que je t'entrais d'accoucher. C'est très... C'est et il y a une histoire derrière... Derrière un petit tube. Exactement. Enfin, l'histoire en elle-même, c'est pas vraiment une histoire, c'est plus
Un voyage. J'ai oublié le mot. Un voyage. Ah bah c'est malin, ça, oublié le mot. Hein. On est très avancé maintenant. Philosophique, ouais, philosophique, on va dire comme ça. On va être philosophe, les petits gens. Nous sommes des philosophes. Nous. Nous avons un magnifique cul. Voilà. On va voir ce que c'est. Excusez les petits gens, si le chenégre n'était pas face au mouche, mais est-ce que quelqu'un de très allergique est comme vous l'avez donc? Il se mouche et renève très souvent. Donc ne vous étonnez pas, c'est le fait tout le temps, il est très allergique. Et l'éternue aussi. Ça passe. Ça va? Oui. Il va bien le chenégre. Il reste avec nous. Il va chenégre. Il va chenégre. Il va chenégre de mort bien. On l'a tiré d'affaire, les petits gens. Nous l'avons tiré d'affaire. Il s'en est sorti presque indemne. Eh oui. À quoi sert cette fille? On peut mettre de magnifiques cubes. Ah ben, justement, on en a besoin. Reconstruire les différentes tours, après ce qu'on peut voir, voilà, ah, ça reconstruit. Nous sommes architectes. Exactement, ah, et ça fait quelque chose. Ça relie la tour à la sorte de soleil au-dessus. Ah. Qui, à mon avis, est plus un trou noir. Oui. C'est le cas de lire, il est noir, enfin tout. Oui. Ah voilà, le fait d'avoir, on va dire, activé le trou noir fait qu'en fait, on peut sauter plus haut maintenant. Ouais, c'est effectivement largement plus haut. Ah, on est sur notre tour. Et je peux construire maintenant. Voilà. Je crois même que si on détruit notre tour, elle va s'envoler. On va tester. Ah. Hop. Est-ce que ça sort? Non, mais ça se casse. Les champs trous noirs, nos cubes, on veut les faire envoler. On voit une autre tour. Il n'a reçu pas nos cubes. Sur les champs trous noirs. Je suis choqué. Mais oui, c'est pour ça qu'il fallait activer la tour en fait, pour pouvoir sauter et accéder aux escaliers. Il y a des trucs noirs là. Et oui, c'est une deuxième tour, il me semble. Ah, je crois que c'était un petit rose de vrai. Et comme on voit, on n'est pas assez. Exactement. Ou tout simplement un petit escalier. Ah, quelque chose n'est pas. Mon escalier il est bien. Ah petit, il est très symétrique. C'est la modernité. Je fais de l'architecture, voyons. Architecture. Tu fais du design. Voilà. Je fais des escaliers design. Un schlick design. Oh. Bon, ça avance. Arrivé. Oui, je retiens. Non, pas ça. Non, je pense pas. J'étais vraiment en limite ici, donc. Je saute un peu haut là, je trouve. Ouais, un petit peu quand même. J'arriverai. Oui. Et t'as vu le rocher là, on dirait une mer. Où ça? Ah non, mais il faut que tu montes au-dessus encore. Ah non, tu as tombé.
Là, tout moi? Ah oui. Attends, hop. Donc là, on va vite. Ça va bien. Ça, je suis sûr de pas tomber dans le vide. Hop. C'est voilà. Bien, ça mange mes coups. C'était génial, c'est bien. Merci, merci, merci. Tout le mérite me revient. Oh oui, on est épaté, époustouflé. J'exagère peut-être un peu. Mais non. Non, pas du tout. D'ailleurs, pour Garry's Mod, vous pouvez déjà dès maintenant vous mettre dans les commentaires ce que vous voudriez qu'on fasse sur Garry's Mod, c'est-à-dire construire un véhicule, enfin tout ce qui vous passe par la tête, vous pouvez le mettre dans les commentaires et on essaiera de le réaliser dans Garry's Mod. Une apocalypse, dites une apocalypse, d'accord, ou un meurtre, ou alors déjà les ventreurs. Ah oui, 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 non. Non, parce qu'en fait, Jack n'est pas truc, il n'est plus là, en fait. Putain. Oh, j'ai fait un de ses sauts. Oh. Merci, merci, merci. Ah. On est bientôt à destination. Jack, on va faire j'arrive au soir, j'arrive. Des grimaces, tout simplement. Et oui, tout, vraiment tout ce qui vous passe par la tête, quoi. Et n'hésitez pas à faire partager des vidéos, hein. Ça fait toujours plaisir. Ça nous fera toujours plaisir. Et ça nous montrera aussi que ça fait plaisir pour nos vidéos. Que ça nous fera encore plus plaisir. Et aussi un grand merci de suivre notre chaîne. Oui, franchement, c'est vrai, un grand merci en même pas 2 semaines. Comme 125 vues, en même pas encore 2 semaines. Ça nous fait quand même vachement plaisir. Franchement, je croyais pas que ça allait être à ce point-là directement. Ben non, il faudra sur encore du travail et de la patience, mais franchement, déjà, tout grand merci, les petits gens. Vous êtes géniaux, vous êtes vraiment. Vous êtes vraiment. Des personnes géniales. Comme nous, nous sommes géniaux. Non, mais pas géniaux, vraiment pas un petit peu. Ah si, ça peut-être bien, même pas. Si, je suis génial. Je suis génial, mais quoi. Vous êtes génial, les petits gens. Vous êtes génial, petits gens. Vous êtes des géniaux petits gens. Franchement, merci. Beaucoup. Et voilà. Je fais l'astronaute. L'astronaute, il marche oui, sur la lune. Voilà, je marche sur la lune. Mais je n'ai qu'à sur la lune. Exactement. Question comme ça, mais vous pouvez me répondre plus tard, même dans 50 vidéos plus tard si vous voulez, ce n'est pas un souci. Une petite question par curiosité, si vous devez vous imaginer vraiment un monde mais très imaginaire, mais n'importe quoi, n'importe quoi, c'est même psychopathe ou genre bisounours ou genre chelou, genre même tout à fait normal, votre monde il ressemblera à quoi? Je veux dire, l'atmosphère, même peut-être la couleur, qu'est-ce qu'il y aurait comme couleur, comme objet, les humains, etc. Enfin, voilà quoi. Donc mettez en commentaire Neko plus la réponse de votre monde imaginaire parfait ou imparfait selon vraiment oui, votre monde votre imaginaire. Monde, hein. Et si c'est pour le Garry's Mod, bah, vous mettez G-Mod avant de mettre ce que vous voulez que je fasse. Oui, comme ça se trouvera un petit peu mieux parce que voyez-vous, on est vraiment blond et bien ça. Enfin, lui il est pas blond, mais moi je me fous. Ça nous aidera à nous retrouver. Ah oui, mon petit cul. Exactement. On sent vraiment trop bien. Enfin, moi, je suis vraiment trop bien. Je déteste sur lui. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Oh, monsieur Mota, c'est cela. Tu es intelligent ou toi? Oui. Ah, t'as joué intelligent. Ah oui. Et tu demandes comme mon petit genre pour mettre sur YouTube. Je tape une écho, je vais m'avoir le texte pour s'y retrouver, toi. Ben oui. Ah bon? Oui. Et t'es comme quelques datas. Je crois que je suis là. Faire le
C'était très frais, les gens, je sais, ça me chatouillait. Ah, on voit que on peut rentrer, Nathan. Oh, t'as manqué. Oui, j'ai failli. Bravo, bravo, tu as réussi. Justement, t'as réussi. Ah, bah en fait, c'est la tour, en fait, les gars. Le schneck est applaudi aujourd'hui. Oui. C'est pour ça qu'il est si mauvaise, en fait. Je crois qu'il va falloir qu'on monte là. Oula, je suis au bord du pic quand même. Toi, cassez pas les petits doigts quand je fais. C'est seulement parce que je suis à tout le tour un peu folle, je sais pas. Ça ira. C'est pour ma vie sociale, mais ne vous tracasse pas de ma vie sociale, elle est déjà assez foirée comme ça. Un peu plus loin que moi, hein. Qu'est-ce que vous voulez, on m'a un peu raté à l'accouchement, je pense. Présenter un peu le jeu. Et si vous voulez vraiment qu'on fasse une vidéo dessus, plus en détail, sur un jeu bien précis, vous pouvez aussi le mettre dans les commentaires. Mais ce jeu, what the fuck, parce que je connais toujours pas le précis. Ben, je savais pas tout ce qu'il faut faire pour arriver. On va dire que c'était monter jusqu'à la tour. Ce qu'on a fait. Bah les petits gens, on va vous laisser ici, hein, sur ce magnifique décor. Parce que je ne comprends, on comprend toujours pas ce principe de jeu, enfin, je ne sais pas. Tu comprends parce qu'on a vu. Oui, il faut reconstruire des tours comme celle-ci pour avoir de nouvelles habilités et donc pouvoir, à mon avis, reconstruire un grand tour. Bon, c'est pas grave, je suis tombé. On va sauter jusqu'en bas. Ouais. Les petits gens, je suis sûr que vous comprenez tous pas nos doutes, moi je me sentirais trop seul. Donc on vous dit encore une fois un grand merci de nous suivre. Tout grand merci. N'hésitez pas à vous abonner. Hein. Ça nous ferait toujours plaisir. À mettre un petit pouce vert ou bleu comme vous voulez durant la vidéo. Et on vous dit à demain, soyez bien sages, bisous. Et là, portez-vous bien. Portez-vous bien, ciao.